Nouvelle Magico? Effectivement, c'est la S3 MK2 qui est la dernière version de la S3 qui était sortie il y a quelques années. Toute la gamme S a été revue et passée en MK2. On avait déjà la S1 et la S5 et la S3 est la dernière sortie avec les évolutions qu'on retrouve aussi sur les autres modèles. Les fondamentaux ne changent pas, donc charge close, entièrement en aluminium. La caisse a été renforcée par le haut et par le bas avec des éléments qui sont plus lourds et plus massifs. Et les autres changements importants sont les haut-parleurs qui ont tous été modifiés sur ce modèle. On retrouve le nouveau tweeter toujours en beryllium mais avec une couche de diamant en supplément, donc qui est déposée à la surface du beryllium. Et sur les haut-parleurs qui étaient entièrement en carbone auparavant, on a aujourd'hui un ajout d'un nouveau matériau qui est le graphène. Et le graphène, c'est un matériau qui est 20% plus léger que le carbone et qui est 3 fois plus rigide. Donc on gagne encore en rigidité sur la membrane elle-même et en capacité dynamique avec des moteurs également qui sont plus puissants. Le graphène, on l'a retrouvé déjà sur les hauts de gamme. Alors c'est sorti la première fois sur la M-Project, qui était une série limitée qui avait été faite pour les 10 ans de la marque, vendue à 50 exemplaires dans le monde et qui avait un peu comme un concept car annoncé tout un tas d'évolutions qu'on retrouve maintenant effectivement sur les modèles actuels du catalogue. Ils avaient été présentés à Munich pour la première fois cette année par le constructeur et on les a nous reçus dans le courant de l'été. Donc elles sont sorties en France il y a quelques mois. Et la bonne nouvelle, c'est que le prix vient de baisser puisqu'on a souffert du taux de change, on était quasiment à la parité. L'euro se porte mieux, on a réactualisé le tarif, elles étaient à 40 000, elles viennent de baisser de 10%, elles sont donc à 36 000 euros la paire aujourd'hui.